Je profite de ce nouveau tour de jardin pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait et qui m'a empêché en fait de faire des vidéos dernièrement. Donc j'ai enfin terminé de clôturer cette partie de mon jardin. Donc ça me permet d'isoler le potager pour plus que les chiens aillent dans le potager et saccager mes salades par exemple comme ils l'ont fait récemment. J'ai fait une petite fondation sur laquelle j'ai posé des petites bordures, là, comme vous voyez, avec les poteaux des extrémités que j'ai pris dans le béton pour avoir une bonne rigidité. Petite chose que j'ai ajoutée, des pas japonais. Comme j'ai positionné les jardinières, je ne peux plus passer directement d'un abri à l'autre. Donc là, j'ai installé des pas japonais en plus des deux premiers que j'avais déjà. Donc maintenant, bah, voilà, cette partie-là est complètement terminée. Et je vais vous montrer la deuxième chose sur laquelle je suis en train de travailler. Alors ce petit recoin, en fait, qui était un petit peu laissé à l'abandon, j'ai décaissé sur une trentaine de centimètres. Là, vous voyez le niveau de la terre ici. Donc j'ai pas décaissé sur la même profondeur partout. J'ai creusé plus profondément pour pouvoir insérer des rails. J'ai une remorque qu'on m'a donnée. Et donc comme elle est quand même assez grande, pour pouvoir la rouler plus facilement, en fait, je vais faire deux rails en béton. Donc j'en ai déjà fait un. Et le deuxième, on voit ici. Donc voilà, il est prêt à couler. Donc là, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Donc là, j'ai une gaine électrique qui alimente mon chalet. Je vais la prendre dans le béton. Donc ensuite, une fois que tout ça sera fait, je vais faire une arase pour avoir une partie parfaitement plate, pour permettre de rouler la remorque dessus. Et entre les deux, je vais mettre un géotextile avec des cailloux. Donc de chaque côté, voilà. Et ici, j'ai une petite partie aussi à refaire en béton, parce que j'avais toujours de la terre qui tombait à cet endroit-là. Là, je vais bétonner, je vais tout faire en même temps, en fait, comme ça sera assez solide. Donc un petit point sur les rails que j'ai fait pour supporter ma remorque. Donc là, bah, je viens de décoffrer. Donc j'ai coulé le béton hier. Donc je vous montre un petit peu. J'en ai profité pour reboucher un petit peu cette partie-là. Il me restera encore cet espace entre la dalle que j'ai découpée et le rail que je vais aussi combler avec du béton. Donc maintenant, la partie qui me reste à faire, c'est la rase en fait pour le muret de retenue de la terre. Donc là que je dois relier sur la dalle de droite. Et ici, cette petite partie en fait que je vais couler aussi en béton, donc pour me coller ça ici. Donc je vais sans doute mettre enfoncer des fers à béton dans le bas en fait, dans différentes directions dans le bas de la dalle, pour avoir une meilleure solidarité de l'ensemble. Donc l'idéal, ça serait de casser en fait une partie de la dalle et de faire quelque chose de plus large. Mais bon, je vais déjà voir ce que ça donne comme ça. Si vraiment je vois que je suis embêté plus tard, eh ben, tant pis, je casserai, je recommencerai. Mais bon, je pense que ça devrait suffire quand même malgré tout. Donc avec une bonne épaisseur de béton, ça devrait le faire. Donc là, je voulais vous montrer ça. En fait, j'ai dû casser le haut des parpaings en fait parce que je les ai pas décaissé assez pour faire la semelle en fait du rail. Et du coup, j'avais plus assez de hauteur en béton parce qu'il faut un minimum de hauteur pour que ça tienne. Sinon, dans le temps, en dessous d'une certaine hauteur, ça se fend. Et donc bah, il faut tout recommencer. Donc en fait il faut à peu près je dirais 7 à 8 cm quand même minimum de béton pour que ça puisse tenir correctement. Donc bon, là c'est pas uniforme, mais on a à peu près ça partout. Sur la globalité, là cette fois-ci ça devrait le faire. Donc on peut toujours se rattraper quand on fait une erreur, mais bon, on perd du temps bien sûr. Donc il vaut mieux éviter les erreurs. Voilà, donc je vous remontre la place où je vais parquer ma remorque. J'ai aussi égalisé la terre, donc à terme je vais mettre un géotextile et combler par des cailloux à gauche et à droite. Donc ici, eh ben, j'ai coffré la dernière partie en fait. Donc là j'ai inséré des piquets en béton dans différentes directions pour permettre une accroche en fait. J'avais aussi du vieux treillis soudé que j'ai récupéré quand j'ai cassé
une des dalles où se trouvait ma cuve. Donc je l'ai réutilisé, hein. C'est rien ne se perd, c'est de la ferraille, donc ça permet de renforcer la structure. Voilà. Donc ici, voilà, le moule est prêt. Donc il n'y a plus qu'à couler. Voilà, comme ça je vais avoir une bonne retenue pour la terre. Et donc le niveau sera légèrement plus bas que le niveau de la planche qui se trouve là. Donc on sera peut-être à 2 ou 3 cm en dessous. Donc voilà. Le travail est terminé, donc on voit ce qu'on obtient. Donc maintenant je vais pouvoir stocker ma remorque sans problème dans un endroit propre. Donc voilà, les rails sont assez larges pour pouvoir mettre des remorques de différentes tailles. Bon, des remorques assez grandes tout de même, mais qui correspondent à peu près au gabarit de celles que j'ai. Donc là, ici, donc j'ai posé quelques cailloux au fond. Donc je vais recouvrir ça de terre une fois que le muret de retenue qui se trouve là sera bien sec. Donc cette butte qui est en attente ainsi que celles qui sont dans le potager, elles serviront à créer un bac de culture. Donc sans doute de 2 mètres sur 1,20 m. Parce que bon, là, le volume de terre ne sera pas suffisant, je pense, pour en créer un de 4 mètres.